Notre pays a été l'un des premiers en Afrique à s'être courageusement et résolument engagé dans la lutte contre le sida dès 1987 par le développement d'une politique nationale de traitement des maladies opportunistes, tuberculose, zona, hépatite. Et cette même année, la Côte d'Ivoire était l'un des 4 pays dans le monde à développer l'initiative ONU-SIDA, visant à améliorer l'accès aux médicaments des personnes infectées par le VIH. Il est important que la question de la santé des jeunes et des adolescents soit au cœur de vos réflexions, chers participants. Et l'autre défi demeure, dont nous avons parlé il y a quelques jours, c'est le phénomène migratoire, qui peut constituer également une source de propagation du VIH du fait de la promiscuité observée dans les conditions de voyage, mais aussi des abus sexuels subis par les migrants. Donc c'est dire que la migration est un phénomène qui doit être contrôlé et que nous devons chercher à trouver des mesures le plus rapidement possible. Et je me réjouis des conclusions du sommet Union africaine, Union européenne à cet égard. Excellence, Monsieur le Président de la République, vous avez accepté de venir personnellement procéder à l'ouverture d'ICASA en présence de Madame la Première Dame, qui a pris fait et cause pour la santé de la mère et de l'enfant et pour la lutte contre le sida pédiatrique. Merci, Monsieur le Président, pour l'honneur que vous nous faites en rehaussant de votre présence cette cérémonie mémorable pour nous et pour tous les partenaires qui ont effectué le déplacement ici en Abidjan. À la jeunesse vivante avec le VIH, battez-vous pour vivre, car le VIH ne doit plus vous éloigner de vos ambitions. Comme vous le voyez, je suis là, devant vous, jeune, bien portante, sous traitement et bien suivie. Nous devons bâtir des compétences dans le domaine du sida pour promouvoir les droits en matière de santé sexuelle et reproductive. Voilà la raison d'avoir une nouvelle coalition pour la prévention. Pour clore mon message, Monsieur le Président, je voudrais faire référence encore une fois au président Chirac qui a dit à Abidjan il y a 20 ans « J'ai la conviction que le combat contre le sida engage plus que jamais notre conception de l'homme et celle des sociétés dans lesquelles nous vivons. » Je vous remercie.